Coucou les geeks, c'est Dijo qui on se retrouve en ce lundi pour l'épisode 19 de notre Let's Play sur Star Wars. Alors avant toute chose, je voudrais m'excuser un petit peu donc de l'épisode de vendredi, pas dernier, vendredi il y a deux semaines, parce que du coup j'ai pris une petite semaine de vacances avec ma formation. Je voudrais m'excuser de la durée de l'épisode. J'ai vu qu'il faisait à peine 15 minutes. Donc c'est pas grave, on va se rattraper aujourd'hui. On va faire un épisode un petit peu plus long. Mais voilà, je voulais m'excuser. J'ai vraiment pas vu la durée de l'épisode. Je pensais que ça faisait un bon quart d'heure et en fait pas du tout. Donc la dernière fois, on s'était arrêté dans la ceinture. On est toujours dans la ceinture de l'Enico en fait. À la poursuite de Desan. Et puis un petit peu se renseigner aussi. Qu'est-ce que la cortose, hein ? Apparemment la cortose est un matériau, mais c'est un cristal en fin de compte qui résiste au sabre laser. Et du coup donc on est toujours à la poursuite donc de ce fameux Desan. Jan serait potentiellement en vie. Donc on va essayer de découvrir ça tout de suite. Hein ? Ça va faire du bien. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On a du bouclier. Magnifique. Donc on essaye de rejoindre le Doomgiver, donc le vaisseau de Desan. Ok, ça fait juste ça. On voit qu'il y a des gardes en bas. Ascenseur? Ah, eux ils m'ont repéré, mais ils savent. Enfin, ils m'ont repéré. À moitié, parce qu'ils savent pas trop où je suis. Ils savent qu'il y a quelqu'un, mais ils savent pas où il est. Rendez-vous. On s'était donné rendez-vous dans 10 ans. Il est où l'autre? Il est là. Des fois, comme ça, dans des espaces sombres, j'ai du mal à les voir. Alors j'ai vu qu'il y avait... Ah oui, ça par contre ça va être... Ah bah c'est bon, je crois j'en ai le maximum. Ça qu'est-ce que c'est? Ouh, du bouclier, mais du coup j'ai tout. Donc là on va jouer un petit peu les James Bond. On va tout détruire. Et quand je dis qu'on va tout détruire, c'est qu'on va vraiment tout détruire. Hop, il faut encore que je monte. On va se servir. Voilà. Et on va tout faire péter. Ah. Super. Allez. Youhou. Ça tourne et ça explose. On a connu plus subtil, mais le résultat y est. Ouais, mais grâce à mon sabre laser qui a bugué, j'ai perdu un petit peu d'armure, mais c'est pas grave, on va la récupérer de toute façon, cette armure. Ah super. Ouais bon, je me suis cassé un petit peu les jambes, c'est pas grave, on va se soigner. Voilà. Ça marche toujours. Elle touche si hein. Ah, j'ai voulu faire un truc stylé mais il a bougé. Ah, on commence à avoir pas mal de pouvoir. Il nous faut une équipe de maintenance au bloc 1. Oui. Descendez-le. Il a son équipe de maintenance. Ah.
Mais pars pas! Qu'est-ce que c'était? Ah, shot! Non, viens là! Il nous faut des renforts! Du renfort! Oh, super! Commencez à avoir un petit peu de monde là, disons! Ouais, on s'amuse un peu, je sais c'est pas bien de jouer avec les nourritures mais bon. Non, de toute façon il est... Si. J'ai pas mon... Ah non. Voilà. Oh, il y en a une autre en bas aussi. Voilà. Ah bah ça mène directement là ça. Ok. Bon la porte était bloquée de... De l'autre côté en fait la porte était bloquée, c'est pour ça qu'on n'a pas pu prendre le petit raccourci, on est obligé de faire le tour. Attention. Oh putain. Alors là, vous me permettez, je vais faire une petite sauvegarde. Parce que... Ça c'est le... piège con. Bon, ça va. C'est pas... J'aurais pu éviter de perdre ce que j'ai perdu. Quoi. Voilà. Bon, tout le monde est mort. Ah, chiotte. Alors là, ça va être chiant. Non, je voudrais sortir. Voilà. Bon, il y a de la vie du bouclier, ça fait plaisir. Mais normalement, il y a moyen de désactiver le truc. Je crois qu'il est désactivé en fait. Hop. Ça, c'est pour aller où? Ok. Ah, je vais voir quand même si j'ai pas oublié quelque chose en haut. Voir s'il n'y a pas des choses que j'aurais potentiellement. Non. Donc maintenant ça donne accès. Ne le laissez pas s'enfuir. Bah t'as eu mal on dirait. Oh il est mal, super. Oh là là, oh là là. Bon, déjà il y en a un. Il y en a un deuxième aussi. Voilà. Voilà un deuxième. Toi là-bas, j'aimerais bien t'avoir. Ok. Voilà, c'est bon. Il y en a déjà beaucoup moins. Ouh, par contre... Ouais. Ah, je n'aime vraiment pas le fusil à pompe. Hein. Autant la sulfateuse, ça me dérange pas trop. Autant le fusil à pompe, j'aime pas du tout le tir secondaire du fusil à pompe parce qu'il fait tellement mal. Puis je veux dire, tu t'en aperçois que quand tu te fais toucher, donc. Voilà.
Oh là là. Seigneur Dieu. Ah, magnifique, j'ai même plus de bombes. Comment on fait? Voilà. Ouais, j'ai perdu un peu de vie. Quel est votre rapport, TK664? TK664, au rapport. Ouais, non, je pense que TK664, j'ai dû l'abattre, hein, peut-être. Je m'en excuse d'ailleurs. Oh bah tiens, deux Jedi noirs. La force te trahit. Non non. Que la force soit avec toi. Bon. La force te trahit. Voilà. Comme eux, ils ont pas. Enfin, j'aurais pas trop m'avancer, mais au début, ils ont pas accès à la super vitesse. Donc, ça va, c'est assez simple. C'est simple de les battre. Par la suite, je sais plus. Peut-être, je crois qu'il y en a certains qui ont accès à la super vitesse, il me semble. À la fin. Enfin, vers la fin. Oups. Putain de merde. Non non, moi j'affronte pas ça hein. Oh là. Avez-vous déjà tiré sur une cible vivante? Très souvent. La force te trahit. Je parlais d'un être doué d'intelligence. Une cible capable de se défendre. Non, tu crois bien que non. Vous plaisantez. Depuis quand êtes-vous sorti de l'école militaire? Ça fait maintenant plus d'un an. Qu'avez-vous fait depuis tout ce temps? Bailler aux corneilles? Vous l'éliminez avec le front s'étend sur toute la galaxie maintenant. Ce n'est pas une guerre de position. Nous frappons la République partout où c'est possible. Soyez toujours prêts à l'action. Oui, mon commandant. Et le pingouin, il sait faire monter les bretelles, je fais je la guerre avec des bleus. Pas étonnant que l'Empire s'écroule. Non, l'Empire s'est déjà écroulé, Marcel. On est plutôt sur la période des vestiges de l'Empire. Il n'a nulle part où aller. Bah, je pourrais rester là pendant des heures. Hein. Nous sommes attaqués. Bah eux ils dansent. Ah donc les Bacta, bon, même si on s'en sert pas beaucoup, enfin on s'en sert beaucoup moins du coup, maintenant qu'on a le pouvoir de soin. Ah super, une petite sentinelle d'assaut. Continuez votre. Ah. Il les interrompt. Il n'a nulle part où aller. Montrez-vous. Bah, je suis pas caché, hein, je suis là. Arrêtez-le. Ils sont tous morts? D'avoir oublié un, mais non, apparemment ils sont tous morts. On dirait des vaisseaux de combat, et ils ont l'air de se rassembler pour partir en excursion. Bah ouais, ils vont faire la petite balade matinale quoi. Il y en a comme moi qui préfèrent aller à la muscu le matin, et puis d'autres qui préfèrent partir en balade. C'est chacun conçoit sa vie comme il veut, hein. Franchement, y a pas de mal. Hein.
Ah, bonjour. Je peux sentir la force en toi. Voilà. Bon, ça c'est la manière très simple de les éliminer. Je suis pas très très fan pour ça, donc on continuera le combat un petit peu comme je le faisais avant, sans utiliser la poigne. Parce que je trouve que c'est vraiment très très simple de les battre comme ça. On leur fait la poigne, un petit coup de sabre laser, et c'est parti. Et c'est parti. Ah, eux par contre ils m'ont pas oublié. Oh lolo. Seigneur. Bah en fait oui, là j'ai un peu peur. En temps normal, vous voyez, j'aurais pas peur, mais là par contre j'ai peur. Ah, il y a un point de sauvegarde, mais bon. Surtout que j'ai quoi comme arme qui peut leur faire mal, bah, j'ai que ça en fait. J'ai pris très très cher. On va peut-être hein. Attaque pas lui, attaquez lui plutôt, pas moi. Je me sens mal, question vie en fait. Je me sens très mal. Je me sens très mal, question vie. Bon alors on va aller chercher de la vie. Bon, j'ai pas contrôlé combien l'épisode durait de minutes, mais je pense qu'on va finir le combat et puis après on va s'arrêter là. Je crois qu'il y a des... soit avec toi. Hein? Non. Pas encore. Non, je les avais tous éliminés ici. N'a plus. Alors peut-être que l'autre il m'a suivi, je ne sais pas. Non, il m'a pas suivi. Ah putain, je l'entends de la salle d'en bas quoi. C'est impressionnant. Bon. La force te trahit. D'accord, ok. Voilà, bon, lui il est mort. Grâce à la vitesse. Et eux, du coup, je vais les skipper, je pense. Ouvre la porte! Ferme la porte. Oh putain de merde, ils sont arrivés. Montre que je sens ta présence, Jedi. Ouais. Oh c'est la merde. Bon, il y en a déjà un qui est éliminé. C'est pas trop les Jedi, hein. Enfin, c'est pas trop les Jedi noirs qui me gênent, c'est plutôt les grosses bestioles là. Et ça tombe jamais en panne ça? Alors y'en a un qui est mort. Ils doivent être encore tôt ces trucs là, c'est pas possible. Ah ça y est. Enfin. Que la force soit avec toi. Ouais, t'inquiète pas, je l'ai avec moi. Voilà, au revoir, bisous. Eh ben dis donc, quel combat. Oh là là, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça encore? Un AT-ST. Alors lui, il a trois moyens de me tuer, hein. Me tirer dessus, me marcher dessus, ou me tirer dessus au lance-grenade. C'est au choix. J'ai rien moi. Oh putain, j'ai rien pour le tuer quoi. Si j'ai ça, mais le problème c'est que ça. Le problème, vous voyez, le problème c'est que
Ça va être problématique, je peux pas le viser, enfin avec le sabre laser c'est pas possible. Là il va me viser. Oh putain de merde la roquette. Alors, on va essayer d'y aller avec la vitesse. Voilà. Il est mort. Ah non. Toujours pas mort. Alors je vais juste regarder un petit peu au niveau des commandes. Pouvoir éclair, c'est 7. Parce que normalement je dois avoir accès au pouvoir. Ouais bon. Il n'y a pas fait grand chose hein. Oh là là. Il m'a enlevé pas mal de vie quoi. On va se soigner et puis on va recommencer. Est-ce que j'ai vraiment pas une autre arme? Parce que du coup j'ai les détonateurs, j'ai donc le fusil à pompe. Ah ça par contre le deuxième, enfin le tir secondaire de ça, ça peut marcher. Enfin je crois, hein. Je suis pas sûr. Ouais, ça marche. Maintenant, on va y aller donc au détonateur. Ah, j'ai pris un tir. J'ai morflé. Oh mon dieu. Oh non, la salle d'après, on oublie aussi. Allez, on tente l'éclair. Hein. Bon, ça va être très très compliqué là. Non, j'ai pas de lance-roquette. J'aimerais beaucoup avoir un lance-roquette. Oh non, me marche pas dessus. Oh malheureux. Ouais, si j'arrive à lui renvoyer ses propres missiles. C'est un peu compliqué hein, mais enfin, c'est un peu la facilité de faire ça mais... Oh là là. Il est mort, voilà. Eh bien ce fut compliqué. On va se soigner. Et puis bah, du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un bon épisode hein, aujourd'hui, parce que quand je vois la grosseur de l'épisode, c'est plutôt ça sera plutôt pas mal. Quant à moi, donc je vous souhaite à tous un très bon lundi, très bonne semaine pour ceux qui sont aux études ou au boulot. Je vous fais de gros bisous et on se donne rendez-vous vendredi pour l'épisode 20 de notre Let's Play sur Star Wars. Ciao ciao.